Salut tout le monde, c'est Palmer. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des HLDO. C'est nous sommes rentrés de vacances. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé quand même. Ouais, ça fait 15 jours et donc là on va vous présenter nos cadeaux de vacances du sud. Donc tout vient du sud. On a eu des cadeaux de et vacances. Et on va vous dire précisément à quelle ville, vu que franchement au sud il y a plein de cash. Il y en a 6, je crois, 6 ou 5 cash au total près de chez nous. Hein. Je peux commencer. Il y a vraiment pas mal. Enfin, près de là où on était. Commence. Vas-y. Alors, la partie manga, Dorian. Alors, parce que vous savez que Dorian aime bien la lecture des mangas. Voilà. Alors, donc, en cash, on a le droit à 20 euros chacun de ce qu'on voulait, en fait. Ouais, voilà, notre père nous a donné 20 euros chacun. Voilà. Et donc, nous avons du coup, moi, pour 20 euros, j'ai pris ça. En gros, j'ai pris le 1, 2, 3, 4 de Special A. De SA Special A, et le 1, le 5 et le 9 de Fairy Tail. Voilà à quoi ça ressemble à un Special A. Et puis Fairy Tail, tout le monde connaît, je crois. Voilà. J'ai pris le 1, le 5 et le 9. Ok. Je vais montrer rapidement les... Et c'est Special A dans l'un. Oui. C'est assez culté. Special A, c'est plus vieux ou plus récent que Fairy Tail? Oh putain, je dirais... Bah c'est sorti en 2009, ça je suis sûr. 2009 et 2007. Ah merde, il n'y a même pas... Ah sur le manga, il n'y a même pas les années. Si, c'était écrit. Ah bon? C'est à l'intérieur, je crois. Ah, à l'intérieur? Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, 2009, juillet 2009. Et Fairy Tail? Fairy Tail, je parie que c'est plus vieux. Fairy Tail, j'ai aucune idée. Attends, c'est où? 2006. Ah voilà, c'est plus vieux. Putain, mais grave. Bah en même temps, Fairy Tail, c'est plus vieux que Special A. Ouais. Donc Special A, c'est toujours en cours l'anime ou pas? C'est fini. Il y en a pas, peut-être. Il y a un animé, mais c'est fini. Ah, c'est fini. Et puis je l'ai regardé, puis je l'ai trouvé en manga, du coup je l'ai pris. Ok, ensuite, moi, j'ai grugé un peu parce que ce jeu, je l'ai payé 25 euros. C'est une série que je suis fan et un jour je vous ferai un let's play. Dorian, t'aimes moyen. Ouais, moyen. Ça te dégoûte pas cette série, mais ça t'attire pas non plus. Ça me dégoûte pas, mais voilà quoi. Donc je parle du Professeur Layton et l'héritage des Aslantes. Alors moi, le Professeur Layton, je les ai tous faits. Sauf Phoenix Wright et celui-là. Sinon, je les ai tous faits. Masque des Miracles, je l'ai acheté Day One. Sinon les autres, vous dites, ah, attends, il l'a pas sur DS, bah je les ai eu sur Mario 4, donc j'ai découvert cette série avec Mario 4. Et je les ai tous faits, donc celui-là je suis en train de le faire et il est pas mal, il est top. Et bon, c'est le dernier opus de cette série. Apparemment il n'y en aura plus, c'est trop triste. Voilà, alors. Tellement triste. On passe au cadeau qu'on a eu à Micromania. Ouais, ça c'est incroyable. Donc là c'était le Easy Cash de Toulon. Voilà. Easy Cash à Toulon. Après on a eu le droit chacun à un cadeau. Et puis du coup... Non, pour terminer notre dernier jour, voilà. On avait droit à un cadeau. Alors à la base, toi c'était ça, mais à la base, moi c'était pas ça qu'on voulait m'acheter. Tu le diras après. Ouais, vas-y. Voilà. Alors moi, bah bien évidemment, vous savez qu'il y a une nouvelle vague d'Amiibo qui est sortie, et dedans il y avait... Docteur Mario. Voilà. Donc on l'a vu, dans la vue elle dit, oh putain il est trop beau. Il est trop beau, putain, faut l'acheter. Et du coup il est encore sous blister, il est encore sous blister, mais je vais l'ouvrir et le recoller. Parce que c'est ma technique en fait. Celui-là je peux vous faire, je l'ai déjà fait ou pas? Je sais plus. Ma technique, faire Little Mac, que j'ai particulièrement réussi avec brio. Que je suis fier de l'avoir réussi avec brio. Donc voilà, en gros, au départ l'amiibo ressemble à ça. Au départ. D'accord, au départ quand on l'achète. Et après, une fois pour y jouer, il ressemble à ça. Donc quasiment identique, sauf que bah, on voit qu'il a été ouvert, hein, ça se voit. Sauf clairement, mais c'est moins, juste pour faire beau. Bon, moi je peux y jouer et ça peut faire beau. Parce que un or, on compte bien le faire monter au niveau 50, le docteur Mario. Hein. Parce que Little Mac et Kirby, on l'a fait. Donc voilà. Donc, voilà. 15 euros, il a payé à Micromania. Ouais, à Micromania. L'amiibo docteur Mario. Il y en avait deux, donc ça va. J'étais obligé. Ça va, il y en avait deux. Et lui, on voulait lui acheter un. Ça va, dans le Micromania. Dans le Micromania, il y a 9 amiibo en fait, à chaque fois. Ouais. Et à chaque fois, ils en remettent. Alors moi, au départ, on voulait m'acheter un amiibo aussi. C'était Yoshi de Laine. Premier jour, on arrive à Micromania. Yoshi de Laine. On voit Yoshi de Laine. Bon, au départ, nos parents ne nous disent pas qu'ils vont nous acheter un truc. Donc on voit, dans l'un, il voit docteur Mario dire, oh, putain, je le veux. Deuxième jour, on revient, Yoshi de Laine n'est plus. Donc nos parents sont hyper dégoûtés vu qu'ils voulaient nous acheter Yoshi de Laine. Et ils ont acheté un autre truc qui nous fait plaisir. Donc aussi, du coup, ils ont acheté Dr Mario Adorlan. Voilà, ça nous fait vachement plaisir, le deuxième cadeau qu'ils ont. Mon père acheté. Il a vu, ah bah tiens, il reste un jeu. Donc il a dit, ah bah tiens, je te l'achète. Voilà, Splatoon. Eh, ça tombe bien, il y avait un abonné qui nous disait... Splatoon sur Wii U, donc ça tombe bien, ouais, ça tombe bien. Tu joueras Splatoon, bah voilà. Ouais, ça tombe bien, donc Splatoon... Et je la trouve vachement classe. Et je la trouve vachement classe. Donc il était en bonne affaire.
Et à la base, c'était 49,99. Donc voilà, c'était le dernier du Micronia à... Non, c'est pas Toulon, c'est Aubagne. Voilà, Aubagne. Aubagne. Donc, Splatoon. Alors, il me l'a donné sans plastique, sans le blister, mais de toute façon, je ne vais pas le laisser sous blister. Ouais. Je vais y jouer et j'ai hâte de voir ce qu'il vaut. Donc voilà, c'est nos petits cadeaux. C'est nos cadeaux de rentrée de vacances. Ouais. Bah justement, là, on tourne cette vidéo juste. Voilà, et du coup, on est un petit peu fatigué. Du coup, excusez-nous de ne pas être en pleine forme. D'aller s'en revenir. Ouais, voilà. Bah, en tout cas, ça fait du bien de filmer une nouvelle fois. Parce qu'on s'est tapé 1000 km. Ça fait du bien. Ouais, c'était même plus. Donc voilà, on a eu de chouettes cadeaux. Hein. Franchement, très content. Je l'ai dit pour Serraton, combien j'ai payé 25, tu l'avais dit. Ouais, 25 euros. Donc voilà, merci de regarder et à la semaine prochaine. Ah non, pas à la semaine prochaine. Demain, vous allez en avoir un nouveau parce que. Tu voudrais. Demain, vous en avoir un nouveau parce que vous avez vu que dans les deux semaines, que pendant que j'étais pas là, je ne vous ai pas présenté la chef d'eau. Donc vous en aurez un demain. Allez, à demain.